Chers amis, ce culte va commencer et nous laissons l'orgue nous entraîner dans le culte. Je vous souhaite la bienvenue dans ce temple. Bienvenue à vous qui êtes habitués de ce temple et des célébrations protestantes. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois dans un temple protestant. Bienvenue à vous qui êtes avec nous par Zoom. Nous sommes ce matin tous ensemble et que chacun et chacune se sente ici chez lui. Nous écoutons une fois encore la merveilleuse nouvelle du don que Dieu nous fait. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de son Fils, Jésus, notre Christ. Amen. Nous prenons maintenant un moment pour louer le Seigneur, c'est-à-dire pour dire merci pour les belles choses qui nous entourent. Alors, bien sûr, il y a des tas de choses pas belles du tout qui nous entourent, je sais très bien. On va un instant les laisser, il n'y a pas de souci, elles seront toujours là dans un instant, et on va essayer de se concentrer sur ce qui est bien, et c'est Charlotte qui va nous y aider. Nous avons chacune et chacun nos raisons de dire merci à Dieu, que ce soit pour une grande joie qui illumine notre vie ou pour son humble lumière dans notre nuit. Je vous invite ce matin à la louange avec les mots du psaume 8 que je vais vous lire. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui te rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Que nous puissions, quand nos cœurs considèrent tout l'univers et par le ciel azur, les éclairs de Thank you.
Nous allons maintenant nous présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher, en lui disant tout ce dont nous ne sommes pas fiers, tout ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, et peut-être même pas à nous-mêmes. Nous allons lui dire tout ce qui nous rend malheureux, tout ce qui nous empêche de vivre, tout ce qui nous pèse. Nous faisons quelques instants de silence pour que chacun puisse présenter à Dieu ses fardeaux. Voilà, Seigneur, nous avons essayé d'être francs et transparents avec toi. Et nous te demandons pardon parce que, de temps en temps, nous oublions que tu nous aimes. Nous oublions que tu es là pour nous à chaque instant. Et nous oublions parfois que tu nous pardonnes. Alors, pour nous en souvenir, nous allons réécouter ces paroles que Dieu nous adresse. Il nous dit, il vous dit à chacun et chacune de vous, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne changera pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Cette parole est pour toi. Garde-la dans ton cœur et dans ta vie. Amen. En ce matin de baptême, j'ai envie de parler de notre Église à Joachim. J'ai envie de lui présenter cette Église qu'il accueille. Alors, je vous propose de le faire à travers les mots de Paul, qui écrit aux chrétiens qui habitent dans la ville d'Éphèse. À l'époque, c'est une très grande ville, qui serait située dans la Turquie actuelle. J'ai lu quelque part que, à l'époque, à Éphèse, il y avait un théâtre de 20 000 places. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est à peu près comme Bercy, comme l'Accor Arena. Donc vous voyez, ça veut dire quand même qu'il y avait du monde. La religion majeure, c'était la religion de l'Empire romain, la religion païenne, avec tout le panthéon des divinités romaines. Mais il y avait aussi beaucoup d'influences d'un peu partout et il y avait une grosse diaspora juive. Paul connaît très bien la ville d'Éphèse. Il y a passé 3 ans. Tout au long de la lettre qu'il va leur écrire, après les avoir quittés, tout au long de cette lettre court le thème de l'unité. Paul va leur proposer un mouvement de rassemblement dans le Christ, quelle que soit l'origine des personnes, quel que soit l'endroit d'où elles viennent, qu'elles soient juives, païennes ou encore autre chose. Encore une précision, au début du passage que nous allons lire, Paul dit qu'il est prisonnier et effectivement, il a été arrêté par les Romains. Il est en captivité, une captivité qui lui permet quand même d'écrire des lettres et de rester en lien avec l'extérieur. Voilà, nous lisons dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 1 à 7. Je vous le demande donc avec insistance, moi qui suis prisonnier parce que je sers le Seigneur. Vous, que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint
par la paix qui vous lie les uns avec les autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Chacun de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, éclaire notre sentier. Amen. Dieu vous a appelé. La première chose que Paul dit aux Éphésiens, c'est « Dieu vous a appelé ». Je cite « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel ». C'est curieux cette phrase quand même. « Vous que Dieu a appelé, conduisez-vous d'une façon digne de cet appel ». Ça veut dire qu'on n'est pas appelé parce qu'on s'est conduit de façon digne, mais c'est parce qu'on a été appelé par Dieu que l'on est appelé à se conduire d'une façon digne. Moi, je ne trouve pas ça très très évident. Et d'ailleurs, ça ne devait pas l'être non plus pour les Éphésiens, sinon Paul n'aurait pas besoin de le demander avec insistance. Mais qu'est-ce que Paul entend par « se conduire de façon digne » ? Je cite « Soyons toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour ». Ce que nous pouvons faire pour être dignes de l'appel que nous avons reçu de Dieu, ce n'est pas aller au culte, ce n'est pas louer Dieu, ce n'est pas prier, ce n'est pas avoir une conduite, disons, morale. Non. C'est nous supporter les uns les autres avec amour. Alors moi, je trouve que cette recommandation de Paul nous désaxe un peu. Voyez-vous, au concours de celui qui fait le mieux ce que Dieu demande, et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de candidats à ce concours, ceux qui gagnent ne sont finalement ni ceux qui font attention à ce qu'ils font, Elisabeth, tu peux peut-être éteindre ton micro. Donc, ceux qui gagnent au concours de qui fait ce qu'il y a de mieux pour Dieu, ça n'est pas ceux qui font attention à ce qu'ils font, ni ceux qui s'occupent de Dieu, mais ceux qui s'occupent des autres. Alors, est-ce que nous pourrions dire ce matin à Joachim que notre Église, son Église, c'est là où nous sommes toujours humbles, doux et patients, où nous nous supportons les uns les autres avec amour? Est-ce qu'on peut dire ça? L'objectif de Paul, c'est l'unité. Il dit « Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. » Alors on imagine très bien que dans Éphèse, cette grande ville, il y avait des personnes de tous les horizons, avec des tas de courants théologiques différents, des tas de conceptions de l'Église différentes, certainement même opposées. Maintenir l'unité, comme dit Paul,
c'est relier plusieurs éléments différents, plusieurs églises différentes, par une force qui les fait tenir ensemble sans les confondre. Relier, c'est d'ailleurs une des étymologies possibles du mot religion. Maintenir l'unité, ça ne veut pas dire être identique au point que l'on puisse dire qu'il n'y a qu'une seule Église. Il ne s'agit pas d'avoir un seul modèle d'Église et des tas de petits ou de grands clones de ce modèle. Non, c'est l'idée que cette jeune Église d'Éphèse, ou par exemple l'Église qui est en train de naître à Rome, à la même époque, qui a subi pas mal de revers, mais qui finalement semble s'en être relevé, et par exemple l'Église protestante unie de France, et pourquoi pas l'Église protestante unie de Montparnasse-Plaisance, toutes ces églises sont unies, elles maintiennent l'unité entre elles. Cette unité, si chère à Paul, ne s'acquiert pas en uniformisant nos pratiques ou nos croyances. Cette unité nous est donnée. Elle est donnée par l'Esprit Saint, par Dieu, le Père de tous et toutes, qui règne sur tous et toutes, qui agit par tous et toutes, et demeure en tous et toutes. Et puis, nous dit Paul, il n'y a qu'une seule espérance à laquelle Dieu nous a tous et toutes appelés. En fait, c'est cette espérance. L'objectif vers lequel nous sommes tournés, c'est lui qui est unique et c'est lui qui nous relie, même si les chemins pour y arriver peuvent être multiples. D'une certaine façon, Éphèse est très moderne, parce que ça soit au 1er siècle de notre ère ou au 21e, finalement, on ne fait pas tellement différemment. De nos jours, la chrétienté est scindée en plusieurs grandes églises qui se sont combattues, là ça va mieux, mais qui ne se reconnaissent même pas toutes entre elles. Alors bien sûr, il y a des avancées. Et certainement, ce qui s'est passé samedi de la semaine dernière à Rome était une avancée. Je parle en particulier de la veillée de prière écuménique Together 2023, qui a vu 19 responsables d'églises chrétiennes de diverses dénominations, protestantes, orthodoxes, de la chrétienté orientale, 19 responsables autour du pape. Alors évidemment, pour moi, ça reste un événement surtout médiatique, mais je vais laisser le bénéfice du doute au pape et à cette veillée écuménique et espérer que cela va pouvoir faire bouger les lignes en pratique. Pendant cette soirée, le pape a vanté les bénéfices du silence. Imaginez-vous qu'il a, semble-t-il, je n'y étais pas, hein, il semble qu'il ait réussi à obtenir le silence des pas loin de 20 000 personnes qui étaient rassemblées sur la place Saint-Marc au Vatican. Moi, je dis chapeau, hein. Tenir le silence de 20 000 personnes, moi je ne crois pas que j'y arriverai, la preuve. Mais effectivement, puisque cette unité dont parle Paul nous est donnée, puisqu'il n'y a qu'à la recevoir, alors je veux bien croire que le silence y aide. Mais oui, puisqu'on n'a plus besoin de s'agiter pour imposer sa façon de voir les choses, on n'a pas besoin de s'invectiver, on n'a pas besoin de parler plus fort que l'autre, ni de penser que ma religion est la seule ou qu'elle est meilleure que celle des autres. Sur ce plan-là, les protestants n'ont aucune leçon à donner aux catholiques. Les protestants sont eux-mêmes grandement divisés, incapables de se retrouver dans une certaine unité. À l'intérieur même de l'Église à laquelle j'appartiens, l'Église protestante unie de France, certains sujets sont trop clivants pour que l'on puisse en pratique parler d'une unité.
moi-même. Il y a des sujets, des attitudes qui me font dresser les cheveux sur la tête et auxquels je me dis que même à l'intérieur de mon église, je ne pourrais jamais adhérer. Alors, malgré moi, malgré tout cela, j'ose imaginer un monde, une église, où ces sujets clivants pourraient, peut-être grâce au silence, n'être que des marques des différents dons particuliers que chacun et chacune de nous a reçus du Christ, ceux dont Paul parle à la fin de notre passage. Ce qui nous rassemble, ce n'est pas d'avoir les mêmes pratiques, la même conception de l'institution ecclésiale. Ce n'est même pas d'avoir la même confession de foi, à mon sens, puisque la confession de foi n'est que notre façon singulière d'exprimer ce que la foi que nous avons reçue de Dieu fait vibrer en nous, et donc elle est individuelle. Et la foi nous est donnée par Dieu. Je cite Paul, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. » Alors c'est bien cette Église-là que je voudrais présenter ce matin à Joachim. Celle qui nous réunit et nous relie toutes et tous. C'est là que Dieu t'attend, Joachim, au milieu de tes frères et de tes sœurs, qui sont chacun et chacune si différents de toi. Mais ces différences sont le reflet de Dieu lui-même, de sa multiplicité de sens qu'il a mise dans sa création, puisque, comme le dit Paul, chacun et chacune de nous a reçu un don particulier, l'un de ceux que le Christ accorde de façon généreuse. Amen. Je vous propose de dire ensemble la prière du Notre Père. Nous pouvons nous donner la main et la dire chacun dans notre langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est maintenant le moment de l'offrande. Donc nous pouvons nous préparer pour ce moment, donner un peu d'argent pour ce temple. C'est une façon de participer à la vie de ce temple et aussi une façon de participer à la venue du royaume de Dieu. Et puis vous qui nous suivez par Zoom, on ne vous oublie pas non plus pour l'offrande. Vous pouvez faire un don à partir du site de la paroisse. Je vous invite à la prière d'intercession, c'est-à-dire la prière où nous prions les uns pour les autres et pour le monde. Père, ta parole nous a redit ton amour pour ce monde. Certains de ta fidélité, nous te présentons ton Église,
et notre communauté de l'Église protestante unie de Montparnasse-Plaisance, qui en est pour nous aujourd'hui le visage immédiat. Merci pour notre diversité que nous pouvons vivre dans ton unité. Nous te présentons Joachim et sa famille. Garde-les dans la joie de ce jour. Renouvelle en chaque baptisé la joie de son baptême. Donne au monde la paix que tu promets. Accorde-nous ton esprit afin que nous avancions sur le chemin où tu nous appelles. Fais de nous des ouvriers de paix, d'amour et de justice. Nous prenons le temps de te confier, chacune et chacun dans notre cœur, les personnes et les situations qui nous préoccupent aujourd'hui. Nous nous confions nous-mêmes à toi. Amen. Et maintenant, nous allons nous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Aujourd'hui, celui qui est notre espérance et notre sauveur nous attend. Allons. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. Bon dimanche à vous tous, bonne semaine, à dimanche prochain.